Salut à tous, donc nous voilà pour la suite F1 j'espère de la grotte du héros de Edges. Donc bah pour l'instant, aïe, salaud. C'est pas trop dur cette salle, voilà le pot là il sert à rien du tout. Là vous faites ça. A priori on pourrait croire qu'il y a une super énigme mais pas du tout. C'est tout con en fait. Voilà. Là on tombe dans le trou. Il sert à ça, le trou. Pour revenir là. Donc ça c'est super simple. Hein. Voilà. En fait il faut des clés pour déverrouiller des blocs pour avancer là en fait. Voilà. Là, facile. C'est après que ça va être un tout petit peu plus dur, vous allez voir. C'est ça, voilà. Ça c'est un petit peu plus dur que... Aïe. Connasse. Pardon. C'est un petit peu plus dur que l'autre. Alors le truc c'est qu'une fois qu'on aura mis tous les blocs, vous allez voir, on sera bloqué là-dedans. Vu qu'il y aura un bloc ici. Donc le truc c'est de faire ça. Voilà. Là on fait le truc tranquille. Merde, je me suis gouré. Voilà. Et du coup, quand on fait ça, voilà, ça retombe dessus. Et non, on peut sortir. Voilà, donc ça c'est une salle très simple par rapport aux autres. Je dis bien par rapport aux autres parce que celle-là. Là, je me sens mal. Là, oh putain. Alors ça c'est la salle la plus dure, je le dis tout de suite. Donc le truc c'est qu'il va falloir à la fois solidifier la lave, détruire les blocs, fissurer et mettre ça sur les trois trucs de couleur. Mais le pire, vous allez voir, de toute façon je vais sûrement me louper, hein, je n'y arriverai pas au premier essai. Donc c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment l'enfer cette salle. Dès que je me loupe, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va solidifier pour commencer. Go! C'est bon, à ne surtout pas tomber. Faites pas les cons là, essayez pas de sauter de trous à la fois ou des trucs comme ça parce que vous êtes mort. Et en fait, c'est sadique en plus parce qu'on pourrait croire qu'il faut faire le truc bleu en premier, mais même pas en fait. Le truc jaune, je veux dire. C'est pas le truc le plus près du cube qu'il faut faire en premier. Bon, je connais par cœur ça parce que j'y ai passé des heures et des heures, quoi. Et n'essayez pas de faire plus que ce que je fais, hein. Suivez au pied de la lettre ce que je fais là. Putain, je stresse comme un fou là. Putain. Ah, vous allez voir, c'est pas de la tarte. J'ai envie de vous montrer ce que ça fait si on perd, mais vous allez voir que c'est un truc de gros con quoi. Ouh putain! Oh bordel. Vous devez vous dire j'abuse un peu, mais non, j'abuse pas. C'est vraiment super chaud quoi. Faut bien attendre que ça soit tout. Non, mais je raconte des conneries, y a rien en fait. Le truc jaune, c'est pas. Ah bah si, si, ouais, c'est bon en fait. Voilà, là on en a fait deux. Maintenant, va falloir mettre ici le truc, là où je suis. Suivez bien, mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Enfin, justement, si, il y a un ordre. Faut faire exactement ce que je fais là. Une connerie, c'est foutu. Bon, si ça arrive pas, le truc, je vais vous dire ce que ça fait. Si on tombe dans la lave, on se retrouve au début de la salle, donc dans le téléporteur. Et on recommence tout depuis le début.
toute cette salle. Parce que normalement, en temps normal, on tombe dans la lave, on recommence au début, on s'en fout, il y a toujours le cube. Alors que là, on doit tout refaire et tout. Et c'est pour ça que c'est un truc de salaud, quoi. Comment je fais? Attendez. Ah oui, voilà. En fait, là, faut le pousser. Voilà. Surtout, le fait pas tomber dans la lave, hein, le cube. Je crois pas qu'on. Si, ouais, on peut en plus. Voilà. Non! Je suis mort. J'ai plus de bombes. Putain de merde. C'est foutu, je pourrais pas. Oh, j'y crois pas là. J'y crois pas. C'est la dernière fois qu'on utilise des bombes. Putain, attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça, mais je crois pas qu'on puisse. Voilà, il faut que je fasse péter celui-là, donc. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte de pas bouger l'autre. Alors, je crois pas qu'on puisse, hein, mais on va tenter. Vu que j'ai qu'une bombe, ben. Un salaud. Attendez, donc ça fait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, donc c'est bon. Là, faut le pousser tout en haut maintenant. Putain, j'ai réussi sans faire sauter l'autre bloc. Ça servait à rien en fait. Bon, désolé, là je vais tricher, je vais faire une sauvegarde rapide parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà. Je sais que c'est de la triche, mais ça me casserait le cul. De toute façon, si je l'utilise pas, c'est pas de la triche. Voilà. Donc là, on a passé le truc le plus dur du jeu. Donc là, si on n'a pas le boomerang, lui, il nous fait chier tout le temps. Hein. Mais si on l'a, bah, il est super utile vu que. Voilà. Donc là, le truc, c'est qu'il va falloir tomber dans le trou. Bonne chance. On peut, hein. Et une fois qu'on est tombé dans le trou, c'est le bordel. Mais de toute façon, là, on a passé la salle la plus dure. Il y a un truc, mais je sais plus comment on fait. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Et là, un truc que j'adore, c'est comment atteindre ce truc, vous devez vous dire. Là, vous allez voir. Faire comme ça. Faire sauter, bas, et là, truc. Voilà. Ouais, allez-y à la bourrin, quoi. C'est très dur de faire ça. On peut pas. J'espère que je me suis pas trompé et qu'on a plus besoin de bombes, hein, parce que là, j'ai pas envie de recommencer ce truc. Après les frayeurs que j'ai eu, quoi. Si, merde, je crois qu'on va avoir besoin de bombes. Par pitié, non. Si on a besoin de bombes, là, je vais péter un pont. Des bombes, des bombes! Oh, dégueulasse! Non, vas-y! Oh non! Oh non! Non, vas-y! Putain, des bombes là, pitié! Ah bah, je peux rien faire du coup. Oh, c'est dégueulasse! Oh, je dois tout recommencer là. Oh non! Oh, les salopards!
Bon bah écoutez, je vais couper. Parce que j'ai pas envie de refaire les salles, ça me saoule. J'adore la grotte du héros, mais là, bon, il y a des limites quoi. Donc bah je fais le plein de bombes et on se retrouve ici. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai oublié de tuer les momies. Alors les momies, il faut savoir un truc, c'est qu'elles peuvent descendre là et traverser et remonter jusqu'en haut. C'est pour ça que vaut mieux les tuer. Donc ouais, une chance que la grotte de héros soit juste à côté du magasin, comme ça je peux acheter des bombes. Alors là c'est tout con, hein. C'est très simple ça. Il suffit de prendre une bombe, jeter dans le chariot et hop, voilà. Ensuite, voilà. Et là bon, ceux qui aiment les trous vont être contents, sans jeu de mots. C'est pas Raiju. Donc voilà, il faut faire comme ça. C'est très chiant. Je vous l'accorde. Surtout que le pire, c'est que quand on tombe, ça, c'est là. Donc on peut plus retourner là-bas. Donc on doit recommencer. Repéter le bloc, etc. C'est pour ça que vaut mieux avoir des bombes, quoi. Tiens, en fait, ça fait quoi si je vais par là? Je regarde. En fait, ça sert à rien là, c'est juste pour un le coffre quoi. Bon. Et moi, comme vous le savez, la plateforme c'est pas mon truc. Alors là, tous ces trucs de bombes là. Oh non! Je peux y passer des heures comme ça. Bon, j'espère pour vous que ça va pas durer longtemps. Je vous rappelle que là, c'est un des trucs qui m'a fait le plus chier. Avec la salle d'avant. Enfin, pas la salle d'avant, d'avant. Celle avec la lave, quoi. Parce que là, je vous jure, on tombe, on est mort, quoi. Et puis le temps de trouver la bonne combinaison et tout. Voilà, quoi. Non, là, ça me fait marrer, là. Parce que je suis pas encore mort beaucoup de fois. Enfin, je suis pas encore tombé beaucoup de fois, je veux dire. Plus que 27 fois, hein. Le faire que 27 fois encore. Et au bout d'un moment on craque tellement, on est tellement énervé. Mais vas-y, mais va te faire. Pardon. Au bout d'un moment on est tellement énervé que on n'arrive même plus à sauter quoi, c'est horrible. Alors. Des fois on saute dans le chariot, on oublie de prendre la bombe. Enfin voilà, quand on est énervé on fait n'importe quoi. Donc si vous êtes énervé, un conseil, arrêtez là et continuez plus tard quoi. Faites pas comme moi, qui suis obligé, putain. Mais avant j'arrivais à passer là, j'arrive même plus. Je vous l'avais dit. Le truc c'est qu'il y a de l'herbe en haut là, mais on peut même pas avoir de bombe dedans quoi. Ça m'énerve. Regardez, c'est abusé quoi. Il n'y a pas de bombe dedans. C'est dégueulasse. Et le sol, bien sûr, est incassable. Merde, j'ai oublié de prendre la paix. Voilà, c'est pareil partout. Bien fait exprès pour pas qu'on puisse creuser et trouver des bombes, quoi. Ils ont tout prévu, c'est des malins. Bon. Bon, désolé, mais j'ai triché. Voilà, tant que je n'ai pas utilisé le truc, je triche pas. Tac. Je sais, c'est con de faire ça, mais. C'est chiant. Attendez. Non, mais vous avez vu. Là, faut utiliser le bug du truc qui va parler plus vite. Mais faut faire gaffe parce que les trucs tombent en plus. Et vous avez vu comment ça visait? Bon, là, je triche parce que. Pff, je suis une merde, ça, quoi. Mais non, mais à chaque fois j'oublie. Bon, vas-y, enlève-toi, putain de graine, voilà. Ah! Et là, tu vois, c'est. Là, vous voyez, c'est là que j'ai regretté qu'il n'y ait pas la cape dans l'église. Donc là, encore plus chiant, puisque. C'est la seule fois que je triche. De toute façon, j'avais fait pareil dans Season, j'avais triché une fois, bon là je fais pareil.
Puis c'est pas vraiment de la triche vu que je saute vraiment. C'est juste que je recommence 500 fois quoi. Ouf. C'est pas impossible hein, mais sur émulateur avec une manette de PSX, c'est pas le top. Et là c'est le... Voilà. Et on arrive enfin à cette putain de... De dernière salle. L'enculé, j'avais oublié. Alors lui il va manger. Vous voyez, mais c'est vraiment sadique jusqu'au bout quoi, cette porte. Ils sont tellement désespérés qu'ils nous envoient des marouges à la fin quoi. Il faut tuer tous les ennemis là, hein, je vous préviens. Marouges comprises. Donc épée niveau 2, anneau rouge, c'est bon, on les tue en un coup normalement. Il n'y en a que deux. Bon. Et voilà. Et on obtient ce putain d'anneau de merde. Et on était porté, oui, on ne va pas tous retaper en arrière. On ne va pas tous retaper en arrière, ça serait chiant. Et là, vous allez voir. On obtient un anneau unique. L'anneau armure niveau 3. Donc il protège encore mieux que l'anneau bleu. On se prend plus rien, quasiment. Mais on est hyper faible par contre. Pour l'épée juste. Donc c'est utile pour les boss qui n'utilisent pas l'épée. Et voilà. Bon ben je vous laisse. La prochaine vidéo ça sera pour les bonus avec le truc. Avec les secrets du jeu. Sauf si vous l'avez déjà vu, je sais pas. Et puis on se retrouvera pour Seasons. Allez, ben à plus.